Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus tous sur votre chaîne éducative. La vidéo d'aujourd'hui est la suite des poèmes de CP qu'on a vus dans les deux vidéos précédentes. Le poème s'intitule Le coucou. Amusez-vous à l'écouter et surtout essayez de l'apprendre par cœur. Allez, on va commencer. Le coucou. Coucou des bois et des jardins. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin, je viendrai te cueillir demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille, de bon matin. C'est un poème de Robert Desnos. Allez ma chérie, tu récites le poème. Le coucou, coucou des bois et des jardins. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin, je viendrai te cuire demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille, de bon matin. Très bien. Maintenant, on va essayer de le chanter ensemble avec une petite mélodie. Alors, coucou des bois et des jardins. Coucou des bois et des jardins. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin. Coucou fleuri, coucou malin. Je viendrai te cueillir demain. Je viendrai te cueillir demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. De bon matin. De bon matin. Très bien. Maintenant, on va passer à la compréhension du poème. Alors, les mots qui sont un petit peu difficiles dans le poème sont expliqués comme suit. Coucou, c'est une fleur des champs qui est jaune. C'est aussi un petit oiseau qui s'appelle le coucou. Il y a coucou fleur, il y a coucou oiseau. Voilà l'image de la fleur qui s'appelle le coucou. Il y a les bois, ça veut dire la forêt. Lorsqu'on dit les bois en pluriel, ça veut dire la forêt. Joyeux. Joyeux, c'est un adjectif qui est content, heureux. Tranquille, ça veut dire calme et en paix. Fleuri, bourgeonné. Et se dit d'un arbuste qui est rempli de bourgeons, des petites fleurs. Et se dit aussi de la fleur qui s'ouvre. Malin, c'est quelqu'un qui joue des tours. On dit toujours le renard est malin. Cueillir, c'est détacher une fleur ou bien un fruit de son arbre. De bon matin, c'est de bonne heure. Ça veut dire très tôt le matin. On passe maintenant à un petit résumé du poème pour pouvoir le comprendre assez bien. Le poète parle dans ce poème de la fleur jaune, timide, des champs qui est le coucou. Elle aime cette fleur parce qu'elle lui donne la joie et la tranquillité. Et il promet vers la fin du poème de la cueillir très tôt le matin. Notre vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.